Salut tout le monde, c'est Siphano, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de Fallen Kingdom, toujours en compagnie de Xef, coucou! Comment vas-tu? Toujours aussi bien. Bon, alors aujourd'hui on va commencer pour ma part à améliorer un petit peu la muraille, donc pour ça je vais avoir besoin d'une pelle, je vais me faire carrément une pelle en fer, écoute. Regarde la vache, quoi. Ouais, elle est à son aise un petit peu la vache, elle est quand même un petit peu à son aise. Alors écoute, je vais commencer directement, je vais me faire des torches de redstone, par contre pour ça je vais avoir besoin de la masse de bois. Alors en bois, on n'a pas des masses de bois. Tu saurais peut-être me prendre un peu de bois si t'es dehors? Bah, quand je finis la cinquième hauteur. Ok, ça va. Ok, qu'est-ce qui est se passé, Il vient de se Zelvac? prendre un creeper. Il doit pas être super bien stuff encore. Je voudrais juste voir. Les torches de redstone, je sais jamais. Attends, je Ouais. redstone, c'est un stick et une redstone au-dessus. Ok, ouais, non. Ça marche. Alors écoute, je vais commencer. Je vais commencer par la couche de devant qui se trouve, je sais plus, qui se trouve ici. Il va falloir que je me refasse une pioche par contre. Attends, Hop. Ah non, ma pioche, elle est un peu usée en fait. J'ai eu une pioche en fer, mais elle était un peu. Ah, j'ai plus de stick. Mince. Bon, attends, je vais prendre cette pioche là pour le moment. C'est parti, je vais commencer à creuser. Alors, ça, on préfère le faire assez tôt dans le jeu parce que finalement, après, ils vont peut-être venir fouiller. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Bah, je suis tombé, ouais. Ils vont peut-être venir fouiller, donc on préfère le faire assez tôt dans le jeu. Alors, je vais faire sur une. Pourquoi on a une muraille en bois? Je comprends pas. Ah, sur les bas, tu crois? Ouais, c'est bizarre. Ah, sur les coins, peut-être? Ouais. Ah, mais c'est moi Ah, qui c'est quand avait. t'as eu des limites. Bah, je vais le remplacer, j'ai. Ouais, c'est rien ça. Wow, j'ai plus de voix. Pourquoi j'ai un squelette? Ah mince, j'ai un squelette qui va me frapper, j'ai pas de quoi là. Bon bah, coup de pelle, Attends, moche. bah, Trop vas-y. tard, ça, c'est bon, je l'ai eu. Il est mort? Ouais. Donc, ce que je fais en gros là, vous le voyez, je suis toujours dans la limite de mon périmètre qui se trouve ici. Donc, y a pas de problème. Je vais mettre des torches de redstone en dessous là, ici. Tout simplement parce que on va commencer directement à mettre la. Bon, je vais récupérer du bois. À mettre le piège. Vas-y, va récupérer du bois s'il te plaît, parce qu'on a plus de redstone que ça en réalité. Alors. Hop, 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 hop. Et comme ça, quand ils poseront une TNT ici, elle s'activera automatiquement. Alors vous allez me dire, mais c'est débile, parce que finalement, ça leur facilite la tâche. Mais non. Non, 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 car par-dessus, il y aura de l'eau. Donc du coup, il n'y aura pas de problème. Et là, ce que je suis en train de faire, j'ai tout à fait le droit de reposer des blocs, puisque je suis dans la limite de mon périmètre. Donc voilà, pas de malentendu, hein. Parce qu'il se peut que dans le feu de l'action, peut-être, eux ne comprennent pas directement la subtilité, peut-être, et du coup peut-être se disent merde, mais ils ont cheaté ou quoi, mais non, vous le voyez bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est On pour ça est. qu'on a laissé les marques en. C'est pour ça aussi qu'on a laissé les marques, exactement. Donc il n'y aura pas de problème. Et donc ça en fait c'est la petite amélioration de la muraille qui finalement est assez connue. Parce que on s'était aperçu qu'il y avait une grosse faille. Et on est en train de la combler. C'était la grosse faille. C'était que oui certes la TNT ne s'activait dès qu'on la posait sur le mur comme ça. Mais rien ne l'a empêché de faire ça. Imaginez c'est des TNT. Et comme ça, celle-ci ne s'activait pas. Et celle-ci si. C'était finalement assez contraignant pour eux. Par contre, François, je me suis planté. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un trop haut, puisqu'on va creuser de 1 pour l'eau. Donc il fallait que je descende de 1. Tu l'as fait de combien? Bah, j'ai fait juste de 2 de profondeur, il faut faire de 3. Vu qu'il va y avoir l'eau qui va couler en dessous. Ah! Bon, ça va. Bah il faut Enfin. juste que je recommence un coup, c'est pas grave. Si t'as du bois, tu saurais me faire le reste de redstone. J'en ai sur moi, je te la donnerai. De torche en redstone? Ouais. Ok. Bah, attends, je Bah vais te. limite tu me files le bois en fait parce que le bois Bah ouais. on peut le faire sans la table de craft. Donc bon, rien n'empêche de faire ça. J'aimerais juste pas qu'ils viennent voir à ce moment-là ce qu'on est en train de faire, sinon ils vont capter. C'est pour ça que j'essaie de le faire finalement assez rapidement. Alors. Hop hop hop. Ça, donc l'idéal, étant donné qu'il va y avoir 4 couches comme ça. Si Je vous voulez, pense qu'avec ça, il va tu y vas avoir avoir du jus. 1, 2, 3 et 4 ensuite. Partout, donc l'idéal si on veut vraiment Tiens, optimiser le truc jus. à fond. Tiens. Merci. Si on veut vraiment optimiser le truc à fond, on va essayer de faire sur les 4 de largeur de partout. Plus les leviers aussi qu'il faudra prendre. Ah, les Alors, leviers hop. aussi, ça nécessite du bois, quoi. Ça va nécessiter du bois, ouais. Je crois qu'on a encore la redstone dans les coffres. Tu pourrais aller voir Bah, je s'il te plaît. finis de récolter du bois encore, mais Oh, après. je pense qu'on en a assez là du bois. Je sais pas, Ben. faut voir, ouais, faut voir en fait. Dans le doute, et puis. Bon, après, c'est sûr qu'après, c'est à côté, donc. Hop, je vais faire ça maintenant. On préfère se concentrer déjà sur notre muraille, puisque notre muraille, ça va clairement être notre gros point fort. Enfin, on n'a On pas, on a, espère. on a, ouais, on l'espère, on n'a pas vu de faille, si ce n'est finalement la seule faille, c'est
le canon à TNT. Mais le canon à TNT, déjà, lors du premier assaut, ils n'auront pas idée de faire ça, donc ils gâcheront sûrement des TNT. Pour commencer, quoi. Donc, je rebouche. Donc, pourquoi je les mets à 3? Parce qu'ensuite, cette couche-là, là que je suis en train de casser, il y aura de l'eau. Donc, en fait, on sera bon. On sera bon. Hop. Donc ça, ici, c'est fait. Mais je vais péter les arbres autour au final. Peut-être pas, non. Peut-être, essaye d'éviter si tu peux de péter les arbres autour. Comme ça, on garde un petit peu de... On se cache un petit peu, quoi. Si tu peux, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Tiens, il y a une pomme. Ah, une deuxième pomme. Bah parfait, ça fait la bonne. Une troisième pomme. Hop, alors... Ouais, pour les pommes d'or, c'est pas... Si on arrive à en faire une, c'est cool, quoi. Ouais. Les coins, je les ferai en dernier, François. Les coins. Ouais, pour l'instant, je fais juste, je suis juste le chemin de la base, si tu veux. Les coins, les diagonales, je les ferai en dernier, parce que de toute façon, c'est déjà moins plausible qu'ils arrivent par là. Attends, tu peux me laisser monter un petit coup. Vas-y. Hop. Bah, vas-y, casse. Ouais. Merci. Hop. Tu rentres dans la base là? Ouais, je vais rentrer dans la base, je vais voir s'il y a de la redstone. Ouais, s'il y en a, limite balance-moi-en, comme ça au moins. En fait, je suis pas obligé de faire comme ça, je peux faire juste comme ça, je suis bête. Mais limite, si je pouvais me crafter une autre pelle en fer, ça m'arrangerait. Je t'avoue. Je m'occupe de ça. Merci bien. Comme ça, après, je vais dans la. Dans les mines. Il reste un stack de redstone. Ok. Bah, oh purée, nickel, on est pas mal là. Alors, je suis où par rapport à la muraille là? Alors, tu voulais une pelle, la redstone et tu veux autre chose ou pas? Non, une pelle et la redstone. Parce que j'ai plus de pelle là. Donc c'est un petit oh putain, mais qu'est-ce que. Elle m'a fait peur l'araignée. Oh. Un petit peu embêtant. Alors, t'es où? Je suis sur un côté. Redstone, quick. Merci. Pelle, quick. Merci bien. Ok. Moi, je rebouche, ouais. Oui, vas-y, rebouche. Alors, j'ai une araignée dans la base là. Bon, tu l'as. D'ailleurs, j'ai un arc en trop, je crois, pour toi. Bon, enfin, c'est un petit arc, donc on pourra se le. On pourra voir plus tard, mais. Et je vais me faire une épée en fer. Ok, donc en termes de redstone, on est pas mal, mais il nous en faudra encore plus, hein, clairement. Il nous en faudra encore plus. Je vais reboucher, j'ai pas envie que si jamais il passe, il voit ce que je suis en train de faire. Ah, vas-y, hein. Voilà, ici je suis tranquille. Ici, je peux reboucher aussi parce que c'est fait. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps, mais au pire on se partagera la tâche si jamais, parce qu'on sait tous les deux le faire. C'est surtout que, bah voilà, pour le moment j'ai envie de vous montrer un petit peu le système aussi. Alors, hop. Alors pour l'instant je le fais que 2 de largeur, hein, mais après l'idéal serait qu'on le fasse de, oh, parfait, de 4. De 3 à 4 De 4, ouais, puisque tu sais qu'il va y avoir 4 de largeur d'eau. Ouais. Donc ce serait l'idéal. Bon, j'ai encore un stack de redstone en fait. C'était sérieux? Ouais. Bah si t'as du bois, si tu peux me les crafter et me les envoyer, comme ça j'avance bien, quoi. Moi je passe l'épisode à faire ça, c'est pas un problème, de toute façon il faut le faire. Alors hop. Non, ça te fait... Ah merde. Alors pour l'instant si je rebouche la tranchée du haut, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai pas envie finalement... Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-bas. J'ai cru l'apercevoir. Attends, je suis à côté. Est-ce que ça peut passer de là? Ça peut. Oui, ça passe. Merci. Merci. Si je rebouche, c'est tout simplement parce que j'ai pas envie finalement qu'il voit pour le moment. Que même simplement qu'il y ait un début de tranchée. J'ai pas envie qu'il voit, donc je préfère m'enterrer directement. Au pire, ils me verront dessous, mais ils sauront pas ce que j'y ferai. C'est toi là qui descends? Oh ouais, c'est moi qui descends à la mine là. Je vais mettre en sneak pour faire ça, comme ça au moins je suis en totale. Enfin. Totale sécurité, non, mais bon. Je vais essayer de. 1, 2, 3, 7, 8. Oh, c'est quoi ça? C'est des zombies. 10. Alors. 11, 12, 13. Je te laisse gérer. Hein. Ouais, 15, pour l'instant, je cherche 17, un peu ce qu'il peut y avoir. C'est vrai que j'ai pas pris de torche avec moi, mais bon. 18, au pire, t'as pas les viewers, toi, donc. Et pense à prendre de la cobble un petit peu aussi pour les leviers. Ouais. 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, et normalement... Ah non, mais mince, je vais beaucoup trop loin, en fait, parce que c'est pas 30. Et oui, je vais beaucoup trop loin. Bon, c'est pas grave, on a fait les... Voilà, je vais aller jusqu'ici, déjà.
fait, je suis allé un peu loin là, je me suis un peu emporté dans mon élan. Puisque, de toute façon, après il faudra le faire ça aussi, mais déjà, on va... les coins on les fera en dernier. Déjà, faisons ça jusqu'ici, ce sera pas mal. Il va faire nuit aussi, par contre, donc je vais mettre à l'abri dedans. Je vais éclairer, j'ai pas envie de me prendre un creeper. Ah, ils, ils ont des problèmes de bouffe, je pense. Oh yes, moi j'ai trouvé de la bouffe, j'en avais besoin. Bon bah tant mieux. J'en ai un petit peu, moi j'ai 3 côtelettes. Hein. Bon, je me sers de la bouffe des zombies. Il se suicide. Ah, bon, ok. Oula. Il est où? Alors, on va placer ça. Et tu te rends compte que finalement, avec tout ce qu'on a, on aura fait de 2 de largeur sur les 4 côtés déjà? C'est pas mal. C'est clair. C'est plutôt pas mal, notre muraille commence à prendre forme. De l'or, de la redstone, du charbon, du fer. Là, n'oublie pas, or, il le faut. Si on veut essayer de se faire le fameux... La pomme d'or. La pomme d'or. Parce que franchement, même si simplement moi je l'ai ou toi, je veux dire, c'est de la régène, plus de la force en plus, hein, c'est... Même si je débarque avec une épée en fer, mais même si tu me diras j'ai une épée en diams, mais même si son plastron diams, j'ai moyen de les battre, quoi. Donc c'est quand même assez avantageux. Par contre, c'est vrai que niveau diamant... Niveau diamant, on en a 6, on a de quoi se faire une épée chacun, c'est déjà... C'est pas le meilleur truc du monde, mais bon, c'est mieux que rien, quoi. Putain, je suis en train de me faire avoir pour un archer squelette, je sais pas où est-ce qu'il est. Oh putain. Va te mettre à la okay, ouais, j'ai vu où est-ce qu'il est, c'est bon. Allez, encore un coup. Hop. Voilà. Voilà, donc ici c'est fait, je vais attaquer le dernier côté. Déjà, on aura fait de 2, on aura fait déjà un grand pas vers la muraille puissante. Alors, je vais mettre une torche là, je vais me renfermer, j'ai pas envie qu'ils voient, et on est reparti. En tout cas, on espère que notre point de vue vous plaît. On adopte une technique, alors je sais pas si eux auront une technique, je sais pas du tout la technique qu'ils auront. En tout cas, nous on a essayé d'adopter une technique qui finalement est un petit peu différente de l'habituel, quoi. Avec cette muraille un petit peu spéciale. Plus la salle des coffres dont on vous a pas encore parlé, qui sera un petit truc de minecart, un petit truc en redstone, pas très compliqué. Enfin, je me suis pas mal, je sais pas si on peut dire, pas mal renseigné sur la redstone, je sais pas. Ah bah parfait, j'ai rejoint le truc. Je sais pas si on peut dire, je me suis pas mal renseigné sur la redstone, étant donné que c'est pas non plus de la haute redstone, mais c'est vrai que c'est peut-être une des cordes qui manquait à mon arc, la redstone, et je me suis un petit peu plus informé dessus, parce que ça peut toujours servir, quoi. Notamment le coup des leviers, notre salle avec un minecart, vous allez voir. Qui sera dans un piège. Ça, je m'attaquerai peut-être au piège la prochaine fois pour varier un petit peu. C'est vrai que ça s'annonce plutôt sympa. Alors, hop. Donc après, j'attaquerai la troisième rangée. Si t'as de la redstone, prends. Hein. Ben, je la prends. Hein. Dès que je l'envoie, je la prends. Hein. Nickel, ça va être trop bon. Il y a même de l'or à côté. Franchement, je me languis de voir le moment où on va se faire assaut la première fois. Ça va être marrant, je pense qu'on va bien rigoler. Ok, alors j'ai de 2 partout, c'est plutôt cool. Et vu qu'il me reste un petit peu de torche, il me reste une trentaine, je vais commencer la troisième couche. Bah ouais, carrément. Je pensais que, tu vois, ça serait plus long à faire. Finalement, ça se passe plutôt bien. Par contre, là, je suis à 2 cœurs de vie. Peut-être penser à remonter parce que j'ai plus trop de vie. Ouais, remonte, ce serait bête. D'ailleurs, j'ai pas set mon spawn, moi je vais le faire avant que l'épisode. Oh putain, y'a un creeper qui me suit. Ouais, moi j'ai eu un petit peu de mal aussi tout à l'heure, fais gaffe à toi. Je vais essayer de le tuer, le creeper. Si tu peux, mais fais gaffe à ta vie, quoi. Frappe-le, recule. Remonte, Franck, j'ai pas envie de voir le message sur le chat. T'as beaucoup de trucs? Non, ça va encore. Attends. Oh, putain, il a pété, je suis pas mort. Et j'ai pas pris de dégâts. Au pire, enferme-toi dans un. Enfin, enferme-toi. Pas enferme-toi, mais planque-toi dans un mur, quoi. En fait, c'est ce que j'aimerais trop pas. Voilà, c'est ça. Un archer ? Ils sont 4. Va-t'en. Mais c'est sur le chemin où je dois rentrer. Bah, fais un contour, je sais pas. Essaye de. Bah, je vais essayer, mais. Et y a quoi ici ? Tintintintintintintin. Moi, je vais re-rentrer, de toute façon, j'ai plus. Tu veux que je. Attends, je vais essayer de revenir te chercher. T'es loin ? Non, je suis vraiment pas loin. Bah, je suis parti. Je suis parti à droite dès que tu arrives sur l'entrée de la mine. Je suis encore... Oui, on est encore dedans, donc je peux reboucher, pas de soucis. Alors, attends. Il faut que je re-rentre dans la base, moi. Bon, déjà, je suis content, on a pas mal avancé ça. Redstone en haut. Hop, 12 de fer.
En fait, je suis dans une salle où il y a que de l'eau, mais vraiment que ça, quoi. Des cascades d'eau de partout avec quelques cascades de lave par endroit, quoi. Ah ouais. Ouais. Je me fais une épée en diam si je descends. Vas-y. Je vais descendre essayer de venir te chercher. S'il y a de la redstone, mais est-ce que je suis sécurisé? Ah mais ça va, tu vas un peu mieux là. Finalement. De quoi? Bah en termes de... Enfin t'es pas à deux doigts de mourir là, ça va? Ben j'ai toujours mes deux cœurs et ma vie quoi, j'ai alors, plus de quoi attends. Bouffer quoi. Je reviens, je vais t'amener de la bouffe. Je vais t'amener de la bouffe, bon elle sera pas cuite mais je préfère descendre dans l'urgence, non, te chercher. C'est parti, j'arrive. Mon épée, elle est là. Bon, je viens de chercher. J'ai 22 niveaux. Il faudrait qu'on essaie, prochain épisode limite, faudrait qu'on essaie d'avoir les vaches pendant que je ferai la salle des coffres. Ouais. C'est quoi cet endroit? Ah oui, c'est la suite, d'accord. Faudrait qu'on fasse des labyrinthes à tous les étages. J'arrive. Je suis là. Non, en fait, le truc, c'est que j'ai pris de la redstone, mais j'ai l'impression que... T'es où? Alors attends, t'es où? Quand on en arrive, tu m'as dit, je pars où? À droite. À droite, ouais. Direct. Tu montes, tu vas monter à un moment donné. Je vois une coulée de lave. Ouais, je vais monter à un moment donné, mais... Oh putain, j'ai cru que c'était toi. Non, t'inquiète pas. Là, je suis en train de... Est-ce que tu me vois, tiens? Est-ce que je vois ton pseudo? Moi, je te vois pas, perso. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que... Ici, il y a du fer. Bah, si. Est-ce qu'on a le droit de montrer les coordonnées à la F3? Oui, bien sûr que t'as le droit. Ah, je te vois. Derrière toi. Attends. Moi, je vois pas ton pseudo. Là, si, en haut de la colline. Ah bon, oui, c'est va tout droit, va tout droit. Ouais, je te vois péter là, l'araignée. Putain, par contre, il y a un archer squelette qui me stalk. Je le. Vas-y, je m'en charge. Il te reste combien de cœurs? Deux. Ok, alors attends. Ah, c'est bon, je te vois. Viens, tiens. Prends ça. Prends les trois. C'est pas un problème. Je prends un petit peu la redstone qu'il y a là. Y a pas mal de fer là, faudrait peut-être qu'on le prenne aussi, je sais pas. Au pire, si tu veux, toi, limite remonte et moi je. Ah bah ça va, là on est à deux donc. On est à deux, allez. On va prendre ça, hop. Parce que moi je suis en train de régénérer. T'as vu cette salle comme elle est géniale? Elle a l'air assez grande, attends, je vais prendre le fer qu'il y avait là. Et vu que. Moi je pense qu'on peut. Est-ce que t'as des bâtons? Enfin des baguettes ou pour J'en ai neuf. Parce que, bah, passe-moi parce que j'ai pas mal de charbon. Alors attends. Je te vois pas avec tout ça. Moi. Je suis revenu en arrière prendre ce qu'il y avait. Ok, bah je te rejoins. Ah, je te vois. Tiens. Hop là, tiens, voilà pour le toit. Ce qu'il y a là-haut, là, c'est bon, on va peut-être pas tenter le diable. Et on va revenir donc. Ouais, ça va 36 torches, tu vois. 36 torches, ça suffira, ouais. Alors ici, de l'or. Absolument, il nous faut de l'or. Ça c'est le truc. Limite je le veux plus que du diamant alors là. Sans déconner. Bah pour la pomme d'or Si on arrive à avoir la pomme d'or, on a gagné. Enfin on gagne un assaut en tout cas. Enfin en tout cas on les déstuff. Après gagner un assaut c'est peut-être vite dit, mais on les déstuff, ça c'est clair. Je ne te vois plus. Mais t'es dans la grande ouais, salle attends, de toute façon. Attends, c'est vrai que. Ah le brouillard, putain. Tiens, je te vois. Il faudrait vraiment que Zelda arrive à l'enlever quoi, parce que. C'est un petit peu embêtant. Reprends les torches en cas si tu veux après te moi déplacer. Moi j'en ai un tout petit peu, par contre moi il va me manquer de la bouffe. Diamant. Ah non, redstone. Bah vas-y. T'as une pioche pour la miner? Ouais. Bah, nickel. Ça me fait bizarre de descendre avec mon coéquipier dans les grottes moi. J'ai plus l'habitude parce que Léo c'est vrai qu'il était pas trop à l'aise dedans. C'est différent, mais ça fait du bien limite. On se sent suppléé. Ah mais c'est vrai. Oh purée, alors ça, viens voir. Surtout ne saute pas, regarde. J'ai l'impression que la génération de map a fait que en dessous il y a le vide. Oui, c'est ce que j'ai eu la même chose. Fais gaffe, franchement, creuse surtout pas sous tes pieds là, parce que si, là c'est perte de stuff, tout ce que tu veux. Enfin, j'ai de la cobble. Je fais un petit trou. N'empoche pas. Diamant, on n'a pas beaucoup. Oh putain, viens voir. Reviens un peu en arrière. Regarde comme c'est fou. Je te vois. Tu me vois, t'es où? Ah, je te vois, je t'ai vu dans ta silhouette. Regarde, viens. Comme c'est fourbe. Regarde comme c'est fourbe. Oh merde. Non, ouais. Mais vu que t'es hors de la. Allez hop, on prend. Il y en a encore. Attends, fais gaffe qu'il soit pas. Oh purée, parfait, yes. On peut même se faire un plastron, je pense, avec ce qu'on a. Là, il y a de la redstone que je vais prendre. Voilà, bon. T'as vu, mais cette cascade. Franchement, je te propose d'optimiser le truc. Reviens où t'es. Attends, enfin, reviens vers le diamant, enfin pose-toi sur la rive. Et je te propose de me passer ce que t'as, tes ressources, et je vais remonter, moi, les mettre en sécurité. Attends, y'a un archer squelette qui t'a poursuivi, je crois, qui te voit. Non, moi je le vois derrière pas. Derrière toi. Non. Là, ici.
Mais comment tu fais pour le voir de si loin? T'as le brouillard, toi? Non. Ah. Mais Ah normalement, il si, faut. si, je l'ai, putain, le brouillard, mais si, je vois le Ah, mais pouvoir. oui, parce que d'en haut, t'as pas de brouillard. Exact. Oh, Putain. viens, ouais, je m'en charge. Oh, va-t'en, va-t'en, va-t'en. C'est bon. Alors attends, tu voulais récupérer? Bah. Alors par contre, je vais pas mettre dans l'eau parce que ce serait Ouais, con non, 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 que non, non, viens, viens. les ressources Bon, se ça va. fassent emporter par le courant. Niveau bouffe, t'es bon? Ouais, je suis encore full bouffe. Ça va. File-moi tout ce que t'as en ressources et je vais remonter, mettre tout en sécurité. De toute façon, l'épisode va bientôt se couper, je pense. Et comme ça, au moins, après, si tu veux rester un petit peu, te perds peut-être pas trop, reviens peut-être de l'autre côté. Bah, je reste dans cette salle en fait parce qu'elle a l'air On a deux tellement stacks de grande. redstone. Ok, nickel. Elle a l'air tellement grande cette salle Ouais, que. ça marche. Bah, tu sauras retrouver. Je pose des torches sur le retour, comme ça tu Vas-y, ouais, sauras à comme peu ça près. c'est nickel. C'est nickel. Bon, on s'en sort vraiment bien, je trouve. Pour le coup, je suis assez content. Je sais pas le point de vue des autres, mais par rapport à ce qu'on avait prévu de faire, on s'en sort plutôt bien. Je pense que le prochain épisode, je vais aussi aller voir pour le chat. Oh putain, y'a un creeper! Un Ah ouais, creeper! les creepers, faut qu'on pense à les faire. Hein. T'as une épée en quoi? En fer. Bon, ça va au pire. Parce que moi, j'ai une épée en diams maintenant, mais. Est-ce que creeper, tu veux toujours me suivre? Oh creeper, tu es coincé dans l'eau! Ah, mais Attends. ça va être chaud de combattre dans l'eau! Dans l'eau, c'est Creeper! assez chaud, ouais. Limite, si t'avais un arc, mais bon. Non, j'ai pas. Je vais manger. Allez! Parce que là, je crois qu'on a plus de bouffe après. Ah putain! Bon, tant que t'es en C'est. vie. Ouais, mais c'est quasiment. Oh, y a un diamant qu'on avait pas ramassé dans Ah le. bah écoute, prends-le, nickel. C'est plutôt parfait. Je pense que prochain épisode, je vais commencer les pièges pour la salle des coffres. Ouais. Je pense qu'on a un petit peu d'avance par rapport aux autres. Je sais pas, par rapport à ce qu'on avait Faut. prévu de faire, on est bien. Il faut aussi qu'on pense à faire la cabane dans l'arbre. Ah bah je vais leur annoncer le cut parce qu'il fait jour. Ils ont pas dû le voir. On a 10 or, on va remettre ça à chauffer. C'est plutôt pas mal. En tout cas, on va s'arrêter là donc pour ce nouvel épisode de Fallen Kingdoms. On espère qu'il vous aura plu. Pensez à laisser un petit pouce vert avant de partir. Pensez également à aller voir la chaîne de François. Et puis pensez donc à aller voir, je crois que je l'ai déjà dit, mais les autres points de vue. Non, tu l'avais pas dit. Bah voilà, pensez à aller voir les autres points de vue, c'est important pour savoir un petit peu ce que font les adversaires tout simplement. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé ce petit épisode. Et puis bon, on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye! Ciao.